Vous l'aurez compris, soyez donc attentifs à la lecture des étiquettes. Je vous le rappelle, seules les fibres, le coton ou le lin peuvent être certifiés bio grâce à un cahier des charges élaboré par les pouvoirs publics. Alors, regardez bien sur vos étiquettes, il faut qu'il y ait au moins marqué Organic Cotton ou Coton Bio. C'est une garantie au même titre que lait, le label que vous connaissez tous, AB, label pour l'agriculture biologique. Alors, concernant cette fois la teinture noire utilisée pour mon t-shirt, là, c'est le flou le plus total. Il faudra attendre que la législation progresse dans ce domaine. On s'intéresse maintenant à une arnaque qui peut vous toucher puisqu'elle peut toucher les 55 millions de détenteurs de téléphones portables. Il s'agit de SMS qui vous promettent bien des sommes alléchantes des loteries des gros lots. Titre d'exemple, voici un SMS que nous avons reçu. Votre numéro de téléphone a été tiré au sort, vous avez gagné 3000 euros ou un portable ou une surprise. Bien sûr, c'est alléchant. Faut-il y répondre? Bien, conseil, non, car ceux qui l'ont fait ont dépensé parfois plusieurs euros, voire plusieurs dizaines d'euros pour rien au final. Alors, qui se cache derrière ces messageries? Peut-on s'en protéger? C'est l'enquête menée par Bruno Timsit et Laurent Desbois et on se retrouve juste après pour quelques conseils. Économique dans la publicité mobile. Alors, est-ce que les clients cibles ou ciblés sont toujours les mêmes? Ces sociétés émettrices, on va dire, de SMS illégaux, elles risquent quoi si on les poursuivait en justice? Et qui se prend en moyenne 30%. On pourrait imaginer. Et dans cette même émission, vous retrouverez notre partenariat avec le magazine 60 millions de consommateurs et une enquête exclusive sur la flambée du prix des produits laitiers. Les tensions sur les cours du lait expliquent-elles tout? Quelles sont les marges des distributeurs et des industriels? Réponse la semaine prochaine. Excellente journée à tous.